Moi, j'ai intégré Metatox, donc après un cursus, on va dire, assez classique, où j'ai fait un bac S et j'ai continué avec une prépa BCPST. J'ai intégré donc AgroParisTech il y a 2 ans. Au départ, je me destinais plus à continuer dans l'environnement. Et en deuxième année, j'ai découvert le domaine 4, qui traite ingénierie et santé, des problématiques de risques toxicologiques, nutrition. Pourquoi Metatox ? Je suis assez sensible aux problématiques actuelles de toxicologie, les différents controverses concernant le bisphénol A par exemple. Et donc Metatox, pour moi, était une dominante, on va dire, naturelle dans une ouverture, on va dire, un peu dans mon parcours. Metatox, c'est une dominante assez intéressante qui m'a beaucoup plu, où on traite d'aspects très intéressants et très diversifiés, avec à la fois une problématique toxicologie, avec les risques pour la santé humaine, donc les différents risques chimiques, ou, par exemple, et aussi un aspect écotoxicologie, avec tous les risques environnementaux, les impacts sur le milieu naturel. Donc de voir un peu ces deux aspects, c'est la problématique vraiment très intéressante de Metatox. J'ai réalisé un projet ingénieur en parallèle donc, du cursus qui traitait de la qualité de l'air intérieur à cause de l'impact des différents cosmétiques. Donc un sujet très intéressant pour découvrir justement une nouvelle problématique avec la qualité de l'air. Et justement les différents aspects, on va dire même du quotidien. On est tous exposés dans notre quotidien avec l'utilisation des différents produits cosmétiques à différents risques, et donc un aspect culturel assez intéressant. Pour mon stage de fin d'études, je l'ai effectué au sein de l'entreprise Pierre Fabre, donc une entreprise pharmaceutique, dans le service hygiène, sécurité, environnement, donc qui traite de la sécurité des salariés et des intervenants, et la maîtrise des impacts environnementaux. Donc un aspect assez général avec différentes missions, que ce soit dans l'organisation du risque chimique, surveiller l'exposition des travailleurs, un aspect aussi sécurité très important avec l'évaluation des risques, les risques aussi environnementaux avec les filières de déchets par exemple. Donc, suite à ce stage qui m'a beaucoup plu, je souhaite continuer en santé, sécurité, environnement. Pour traiter des différentes problématiques relatives à l'évaluation des risques professionnels. Et Metatox, justement, m'a beaucoup servi justement avec l'évaluation des risques chimiques et les différents aspects toxicologie pour surveiller l'exposition des travailleurs. Je recommande Metatox dans l'aspect justement un peu problématique actuel, découvrir les problématiques relatives au bisphénol, aux produits phytosanitaires. Donc une ouverture un peu aussi personnelle et à la fois professionnelle.